N'a dit bonjour, bonsoir à nous toutes. Petit papa bon Dieu, qui vivent tout partout en haute terre. Nous devons louer, magnifier, bénir nos papa bon Dieu, nous, qui en haut dans le ciel, parce que lui continue de prendre soin de nous de façon jalouse. Il fait nous grâce, il permet nous vivants encore en cet après-midi. Côté une fois de plus, il te fait provision de ce repas spirituel que moi-même avec vous, nous devons déguster dans ce moment ça. C'est pour nous capables encore remercier lui parce que permettre nous vivants dans ce moment ça encore. Et puis nous disons félicitations, accompliments parce que nous continuons à montrer esprit d'enthousiasme ça. Pour nous pas jamais rater cette occasion, ça y est. Nous comptons pour nous capables ensemble après-midi, hein, pour ce petit message qui a venu de la part du Seigneur. Étant donné que le moment est arrivé, pour les salutations comme ça, ma passe connant à mon épouse, la va faire le nécessaire, et n'a pas retourné tout de suite pour nous capables de considérer ça que bon Dieu gagne à au bout de nous-mêmes. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Après-midi, mes nos amis que nous pas saluer. N'a saluer Gilbert Sylphizia. Richard Peterson Jean. Berry Welch, Docteur Anderson Joseph, Richer Mellow, Robinson Fogg, Jasmine Paul, Gerty Clermont. Harmonie Jean-François, James Jordani Joseph, Napsalé Adakamel Amédée, Lovenska Augustama, Marceline Romain. N'ap salue Oudza Clément. Joël Pierre-Louis. Enfin, n'ap salue Elmanise Pierre. Merci. Maintenant, n'a prié le Seigneur. Bon Dieu, papa nous qui en haut dans le ciel, yo. Nous disons merci pour grâce ou fait nous, ou permettre nous là encore après-midi, dans le but pour nous capables de recevoir de vous petit message que vous me préparez pour nous, question pour nous continuer à nourrir nous, continuer à instruire nous, pour nous aller droit au but pour que à la fin voyage nous pour ne pas prendre déception. N'a demandé pour faire nous grâce, pour effacer nous complètement de nous, pour en possession de nous par le biais de ton Esprit Saint et nous demandons pour capable aider nous à rester vraiment très attentif à savoir communiquer nous yo pour qu'à la fin voyage nous capable parmi monde sauvé. Bénis toute petite yo. Venez-nous tous ensemble, fais-nous du bien, nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Yon invitation pour nous offrir à Seigneur, Seigneur nous, tout ça qui est unique pour nous et tout nous-mêmes, tout. Nous partons comme ça pour après-midi à avec yon bagay qui t'est rivé, qui t'est paraît vraiment difficile,
mais pourtant pas gagné qui difficile pour monde qui vraiment bien la crainte du Seigneur l'Éternel. Un jour Abraham rete comme ça et puis l'Éternel relé Abraham li parlé à clé. Nous parler dans Genèse 22 et le verset 22. Abraham parlait avec, l'Éternel parlait comme ça avec Abraham. Il dit à Abraham comme ça, regardez, prends Isaac, petit garçon, qu'on remet en pile là, ton unique fils, et ou pralé dans le pays Morija, avec Isaac, là, sous mon que ma va montrer là, et wa va offrir en holocauste ban moi. Mes amis, lorsque Abraham de recevoir nouvelle ça, comment te yé si moi m'te nan place Abraham? Si ou te nan place Abraham? Si nous même nous te nan place Abraham? Comment nous t'a fait? Mais Abraham, c'était un monde qui avait confiance en pile dans mon Dieu. D'ailleurs, depuis qu'il a quitté le pays, pour être capable de prendre route pour aller à un côté que le pape jamais connaît, mais l'Éternel dit déplacer, va-t'en de ton pays. Et Abraham t'est levé, il prend un bâton clan, ça qui pire raide. Pendant l'an route, l'an mofet, l'enterré moun, et il continue voyage là, quand même, l'aller établir là, côté l'Éternel te dit. Et là, il te connaît des moments difficiles là. Mais, parce que Abraham, te gen crainte pour bon Dieu, il te gen confiance dans bon Dieu, il te rete là. Yon jour, L'Éternel gardait les ouais trois personnages cap sauti cap venu dans zone sur les chaînes de Mamri takou Bible dit eh bien c'était trois personnages importants les trois personnes divines et immédiatement Abraham était devant tante li li aller rencontrer yo les aller rencontrer yo. Eh bien, sortant de là, les prosterner devant eux et les inviter pour capable rentrer la caille. Yo pas refusé Abraham y aller vraiment et puis sortant de là, les fait au chita et puis les fait préparer manger pour eux, laver pieds eux etc. Et puis yo manger, yo boire et puis entre-temps, l'Éternel parlait, lui dit comme ça, ou pral gagner yon petit oui, dans même période ça oui, et Sarah, madame Abraham, qui était en dedans tante là, li ri. Comme quoi dire, bagay sa ki pale a, son bagay ki ta matériellement imposé. Ou konnen, c'est femme, quand même. Il gagne un petit problème, ni? Etc. Nous pas dit que toute fille s'est adouée contre ce conseil. Et puis, l'Éternel dit, Sarah, c'est pas lui. Il dit, m'pari, non. Mon connaît, il était âgé en pile parce que, non, là, j'étais, c'est pas dans le moment que j'étais capable d'arriver, faire petite voix. Mais pas gagné qui est impossible à l'Éternel. Eh bien, bon, c'est comme ça. Yo fin manger, yo fin boire et puis yon di a de l'autre yo, est-ce que nous capable cacher à Abraham sans nous pral faire? Eh bien, yo t'a pral vers Sodome et Gomorre parce que Jean Sodome et Gomorre t'a vive là, bagay ça te détester le Père, le Fils et le Saint-Esprit et c'est comme ça yo te dit Abraham mais ça qui pral passer et voilà. Abraham, nous pas connaît, il pas été avocat, mais il fait
preuve d'avocature pour être capable de parler ensemble avec eux, demander si tu as telle quantité de monde à l'autre bois, est-ce qu'on t'a détruit, etc., etc. Et puis, c'est comme ça, ils sont arrivés dans le dernier moment, et puis ils ont laissé Abraham y aller, et puis nous avons ça que tu es passé pour Sodome et Gomorre, etc. Nous n'avons pas parlé dans l'histoire. Ça. Et puis, chose dit, ça fait. Mais ça qui arrive, c'est que, tant passé, Sarah qui connaît, n'est pas capable de faire voyez? Et bien, ce conseil t'a demandé à Abraham pour être capable de coucher avec servante qui était Agar. Agar vint enceinte. Depuis l'enceinte là, eh bien, les vins nous représentaient un obstacle pour Sarah. Ouais? Parce que c'est lui qui a fait petit, etc. Et Sarah t'a dit à Abraham à le coucher avec lui. La vie nous font petit sous-cuissé. Alors, il semblerait que à l'époque, voyez, gon bonne qualité bagaille qui était toléré hein dans culture moun yo, dans agissement yo, dans comportement yo, etc. Eh bien, c'est comme ça Agar vient accoucher du font garçon qui relait Ismaël. Mais voilà, bon Dieu te font promesse à Abraham et à Sarah que c'est eux même petit qui va sortir dans entrailles yo. Eh bien, c'est comme ça malgré l'âge avancé ni pour Abraham, ni pour Sarah, et bien Sarah te vient enceinte, elle vient faire petit ça, et puis yo bay non Isaac. Et c'est seul petit ça qui sorti dans entrailles yo deux. Et c'est unique petit ça, il est Isaac, c'est lui-même l'Éternel dit à Abraham, gardez, va-t'en du pays de Morija, hein? Prends Isara, ton fils unique, le seul, le vrai, ou pas gagner l'autre encore, parce que la promesse qui t'est faite, n'est pas t'est faite pour un petit illégitime, pour Ismaël. Mais promesse qui t'est faite là, c'est à partir de Isaac. Isaac. Et c'est lui-même que l'Éternel mandait pour capable aller offrir un holocauste Bali. Dans le pays Morija, il dit, sous mon, dans son montagne, m'a va montrer là. Et c'est là où va offrir un holocauste, bah ouais, son fils unique. Oh, épreuve là, grand en pile, mais Abraham t'est obéi quand même. L'aller, laisser les bourriques, les potes bois, serviteurs ensemble avec lui, gain du feu, au point que, en chemin, petit garçon dit papa, mais men bois, mais du feu, mais côté bête ou pour offrir un sacrifice ça. Et Abraham dit Isaac, l'Éternel y pourvoira. Et là, il arrive dans le lieu, c'est le ça, il marie petite là, et puis il mette le coucher sous hôtel bois, et puis il râle coutoli pour le capable couper gorgette li, c'est le sale dit, c'est ou même que l'Éternel mandait pour le capable offrir un holocauste bali. Et il prend mes li pour couper gorgette li, et c'est le ça. Et puis, on le dit, Abraham, Abraham, n'avance pas ta main, hein? Et puis, c'est le ça. Il voit Gilles, li ouais, nan ragoua, yon bélier, et puis, en jandil, ou va prendre, ou offrir un sacrifice. Et moins que effectivement ou gain la foi dans mon Dieu, mais vous nous gain crainte pour mon Dieu. Son fils unique. Invitation que mon Dieu fait à moi-même, à vous-même et après-midi, hein? Eh bien, c'est pour nous être capable d'offrir à lui-même tout ça qui t'apparaît unique pour nous. Seul ça nous a gagné. Ou bien tout nous-mêmes, pour nous être capable d'offrir nous, offrir lui en sacrifice, ou bien offrir tout nous-mêmes, à l'Éternel, pour nous t'acquitter que l'Éternel prend contrôle de la vie nous, prend commande de la vie nous, fait salver, salpi plutôt ensemble avec nous. Et c'est comme ça, oui. Papa bon Dieu, a peut sonder nous, la peut balancer nous, la prend poids nous, la prend dans telle ou telle circonstance, comment ça paraît lié pour moi, pour nous tous, pour voir si effectivement,
nous c'est monde qui a servi de tout cœur, ou bien si c'est monde dans bouche suivant temps yo moment yo avec circonstances etc. Eh bien gardez non bon Dieu de son côté qui ça lui fait pour nous preuve comment le remet nous etc. Ça le fait les nous aller dans Jean 3 verset 16, ça le dit. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ça fait son Fils unique, le seul. Il n'y a pas de gain l'autre encore. Son Fils unique. Unique, ça veut dire, ça a été gagné, hein? C'est lui-même seul. Il va avoir l'autre encore que l'est capable de faire quoi que ce soit, son Fils unique. L'homme dit, c'est ça me gagne uniquement, oui, il va avoir l'autre bagaille encore, non? C'est celle sans goût, ça me gagne uniquement, il va avoir encore, rien encore. Vous voyez le cas? Voyez? Eh bien, c'est comme ça, oui. Gon bon moun qui qu'on exprime ou comme ça, eh bien, c'est ça seulement m'gain, c'est uniquement seulement ça m'gain. OK? Eh bien, les noirs à travers la Bible, nous joignent des moun qui te parlaient de ça que tu gagnais uniquement, bah ça yo puis sont en déa. C'est comme ça élite allé kay veuve ça et puis le rivé, eh bien, il te dit allez, bon un peu de l'eau pour boire, elle fini à font petit gâteau bon moi et puis il va faire des comme ça que un petit calfarina un petit uniquement ça me gain moi pour aller faire un petit gâteau ba petit là, elle fini nous pour aller coucher et puis nous tout mourir etc. Et bien c'est ça le gain uniquement seul petit farina unique seul ça le gain il pas encore. Mais sur la parole du serviteur du Dieu vivant, il t'a préparé un gâteau pour lui, il portait le bas et il mangeait, et puis pas jamais manquer farine pendant tout le temps. Et bien voilà, bon Dieu lui-même, il t'a consenti à ce grand sacrifice pour être capable de voir son Fils unique, Jésus, ouais, voyez, il voyait parce que il devait ben nous la preuve de son immense amour, il voyait son Fils unique, seul lui-même, hein, seul lui-même, comme petit. Mais c'est ça, dit nous là, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul, le vrai, il n'y a pas l'autre encore. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, unique. Voilà pourquoi, bon Dieu invite ni moi ni vous, nous tous en cet après-midi, ouais, pour nous consentir à de grands sacrifices. Dans quelques circonstances nous capables de trouver nous, eh bien, bon Dieu a demandé nous pour que c'est ça que nous gagnons uniquement pour toute vie nous, eh bien, la mettez-nous à l'épreuve pour voir si effectivement nous c'est monde qui franc, qui sincère, etc. Et puis la demande nous pour nous capables agir. Mais à ce moment-là, qui s'en a fait? Abraham pas de faux qu'un rechigna. Il pas d'ap chercher aucun échappatoire, aucun midi à 14 heures. Il était obligé. Même Sarah pas te dit ça le quoi le midi. Parce qu'il levé devant un jour. Ouais. Pendant ça a dormi. Et puis il partit avec Bourikli, avec Servitali, avec Isaac, etc. Et bien c'est comme ça que tout bon Dieu te consentit à ce grand sacrifice, il te voyait son Fils unique, le seul que le dépossédé, pour être capable de nous témoigner de son amour, pour être capable de mourir pour nous sur la croix, il dit, afin que n'importe qui qui croit dans lui ne périsse mais n'a pas gagné la vie qui ne peut jamais finir. Les lois les plus loin, dans Hébreux, au chapitre 11 et le verset 17, qui ça dit nous là? Il dit, c'est par la foi, oui, que Abraham t'a offert en sacrifice Isaac,
lorsque il te mettait lié à l'épreuve, ça veut dire l'Éternel te mettait à l'épreuve, que l'été offrit son fils unique, lui-même qui te recevoir les promesses. Hébreux, chapitre 11 et le verset 17. Il dit c'est par la foi. Effectivement, c'est par la foi. Par la foi. Parce que Abraham te gagne confiance en mon Dieu. Il connaît que bon Dieu, il est tout puissant, il est capable de faire, il a ressuscité. Ou bien, il connaît quand même, il est capable de revoir, retrouver, il en joue quand même, son fils unique, Isaac, qui était doué mourir en sacrifice, tant que l'Éternel demandait. Et voyez, ce petit là lui-même, il partait même refusé. Non, là, je ne sais pas. Pour Abraham, il était capable de bousculer, bah, on l'a poussé de là, bah, ça, moi, pas de bagaille comme ça, t'as fait rondement, il t'a fait rébellion, bah, ça, ou bien t'as pété couille là, etc. Qu'elle pas d'accord. Mais petit là, même, il était monté très docile, très obéissant, voyez. Il partait répliquer parce que papa prend, il mettait le couché. Ok, sous bois, et puis pour le tirer à l'écoute, pour être capable d'arriver au fruit effectivement en sacrifice. Eh bien, et ça nous dit là, dans Hébreux 11, et le verset 17 là, il dit c'est par la foi, oui, que Abraham t'a offert en sacrifice Isaac lorsque il t'a trouvé à l'épreuve et qu'il t'a offert son fils unique, ok, lui-même qui te reçoit les promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, invitation que le Seigneur fait à moi-même, à vous-même et à nous tout en cet après-midi, c'est pour que nous capables offrir à Seigneur nous ça qui t'a unique pour nous. Ça veut dire, seul ça nous t'a gagné, hein? Eh bien, pour nous t'a répondre à l'Éternel qui t'a adressé nous dans tel genre, dans telle façon, pour nous montrer obéissance nous vis-à-vis de lui, la foi que nous gagnons dans lui-même, confiance que nous gagnons dans lui-même, la crainte que nous gagnons pour nous capables de servir, eh bien, pour nous t'a offrir ça qui t'a doué unique pour nous et également pour nous t'a offrir tout nous-mêmes. Ok? Eh bien, c'est ça qui fait que une exhortation pendant la paix finie que nous avons considéré ensemble. Exhortation ça, c'est dans Romains au chapitre 12, verset 1 que nous joignons. Là, dans Romains, chapitre 12 et verset 1, il dit, « Moi, exhortez-nous donc par compassion, papa bon Dieu, pour nous capables d'offrir corps nous en sacrifice, voyez, saint, agréable à bon Dieu, hein, ça qui va bon côté nous, yon culte raisonnable. Hébreux 12, et le verset 1, en français, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, pour nous offrir corps, par les compassions de Dieu. Vous avez dit que? Par les compassions de Dieu. C'est pour bagaille que n'a pas fait vaille que vaille. Là encore, c'est comme si son grâce, son faveur, bon Dieu fait nous. Dans compassion, lui, eh bien, lui mandé nous pour nous capables de faire ça. Pour qui ça? C'est pas pour malheur, nous, mais c'est pour notre bonheur. Ouais, si ça fait dire, moi, exhortez-nous, donc, frère, par les compassions de Dieu, pour nous capables d'offrir nous un sacrifice à bon Dieu, un sacrifice vivant, pas mort, saint, sans tâche, agréable, qui est, qui, bagaille que bon Dieu capable d'agréer,
qui est capable de faire honneur à lui-même, qui est capable de réjouir, qui est capable de faire content. Il dit, c'est ça qui t'a va. Bon côté nous, il y a un culte raisonnable, un culte qui a sa raison d'être. C'est l'invitation ça que le Seigneur lance à moi-même, à vous-même et à nous toutes dans l'après-midi. Pour nous capables d'offrir à Seigneur nous, bon Dieu nous, tout ça qui t'apparaît unique pour nous dans la vie nous, ça qui est capable de paraître dur, difficile à mettre en application, à exécuter humainement parlant. Mais c'est comme ça, oui, bon Dieu, arrivé, agit avec vrai petite lio. Et c'est ça qui fait tout. Il a demandé à Abraham pour offrir son fils unique, Isaac. Isaac pas refusé. Mais bon Dieu, bon côté le tout, il est arrivé offrir son fils unique pour que moi-même avec vous, nous capables de sauver, pour nous croire dans lui. Et c'est parce que il a fait la preuve de son immense amour. Et c'est par la foi que nous disons que Abraham est arrivé offrir un sacrifice Isaac, lorsque bon Dieu te mettait à l'épreuve et que tu t'es offri unique petit garçon à Isaac, voyez, lui-même qui te reçoit les promesses. Et finalement, exhortation qu'il fait à moi-même, à vous-même et à nous tous, pour nous consentir à faire sacrifice ça, pour nous capables offrir nous un sacrifice vivant à l'Éternel, laisser à l'Éternel le soin de prendre contrôle la vie nous, de diriger la vie nous, de nous orienter et permettre également qu'à la fin voyage nous capables d'arriver sauver pour l'éternité bienheureuse par Jésus, ouais, qui s'est sauvé nous, qui est mort pour nous sous bois la croix en tant que fils unique du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, bagaille difficile, mais pas oublier que route qui mène dans ciel là sont route qui petit en pile. Dans ce cas-là, nous pas besoin étonner que bon Dieu capable mander nous pour nous capable arriver consentir à une bonne qualité sacrifice ça. Et l'elle mande nous, même Jean te dit, Abraham, va-t'en, du pays de Morija, là son bon nom, et bien si bon Dieu arrive, mande nous capable de déplacer pour nous régler tel bagaille pour lui, puis nous n'en plaignons, n'en murmurons, n'en faire rechigna, n'en chercher aucun échappatoire, aucun midi à 14 heures, pour nous capable accepter aller et faire le nécessaire pour le Seigneur, l'Éternel, notre Père aimant et aimable. Et s'il faut que nous capables d'arriver faire de sacrifices énormes pour Papa Bon Dieu, dans ça qui t'apparaît plus cher, plus précieux pour nous, unique ça nous t'a gagné, que Bon Dieu t'a demandé pour nous capables de mettre à disposition, c'est pour nous faire, parce que les nous agis comme ça, nous n'avons pas aucun problème lorsque le Seigneur Jésus va retourner sur l'aide du ciel, là va attraper que moi-même avec vous, nous t'es fidèle dans toute cause de ça, dans toute petite chose. Et comme ça, là va dire nous, viens prendre portion héritage qui t'est préparé pour nous, qu'on y a dès la fondation du monde. Mes amis, en nous demandant bon Dieu pour être capable d'aider nous, pour que nous capables d'offrir à lui-même tout ça qui t'apparaît unique pour nous et pour que nous-mêmes nous capables offrir nous tout entier et laisser à bon Dieu de contrôler, de diriger la vie nous pour qu'à la fin de voyage nous n'avons aucun problème, que nous tout ensemble nous fait bye bye à Dieu, à cette terre. Le Seigneur Jésus va recevoir nous en haut dans ciel là, nous va passer 1000 ans avec lui dans la réjouissance, et après quoi, nous va retourner vivre en haut terre qui va restaurer dans bonheur pendant toute l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout et de toujours,
combattant pour le ciel, que la parole du Dieu vivant continue à habiter vos cœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Soyez donc toujours sobre, soyez donc toujours sage, restez toujours confiant, soyez toujours conséquent et surtout, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Prions. Papa bon Dieu, nous vous remercions, oui, de ce que vous continuez à ouvrir chez nous sous bonne qualité bagaille que nous pas nous pas arriver faire trop attention à nous-mêmes. Après-midi hier, vous montrez nécessité pour nous capables consentir à une bonne qualité sacrifice, savoir pour nous capables mettre à disposition ou encore offrir à nous-mêmes des bagailles qui unique à nous-mêmes, qui t'apparaît précieux pour nous, qui t'apparaît cher pour nous, et tout ceci, c'est un but pour nous capables d'arriver, sauver au dernier jour, pour nous capables d'offrir nous-mêmes tout entier à nous-mêmes, pour que finalement, nous n'avons aucun problème à la fin voyage nous sur cette terre. Merci en pile pour l'apprentissage qu'on fait à nous-mêmes après-midi. Bagayo difficile pour nous, humainement parlant, mais aidez-nous, tant pis, s'il vous plaît, pour nous capables d'arriver à faire le nécessaire pour ta gloire et pour ton honneur. Pardon pour nos fautes, nos erreurs du passé. Et aidez-nous pour nous capables d'appliquer nous à vivre pour toi, à faire ta volonté et rien que ta volonté, et cela dans toutes les circonstances de notre vie. Au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Après-midi, une fois de plus, nous demandons capable de bénir les membres de notre petite famille, ta servante qui a toujours besoin de toi. Petit garçon Oum et les membres de sa famille, bénis-nous bien bénis pour nous. Bénis nos enfants, nos petits-enfants et tout cela haut que nous gagnons de alliance ensemble avec vous au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Bénis parents, nous bien bénis. Bénis tous ceux qui ont travaillé pour vous, tous nos frères, toutes nos sœurs, les jeunes, les adolescents et les tout-petits. Faites du bien à chacun de vous. Vous avez souffri d'une manière ou d'une autre. Voulez à leur secours. Zanmin nou yo qui toujours là, qui va jamais laguer, aider yo, ceinturer yo, blinder yo et permettre que vous capables continuer à avancer ensemble avec nous sur la route qui conduit en spirale vers ton royaume de gloire et de félicité. Bénis créature là tout entier. Moi-même, Capouille, mon Dieu, besoin d'aide, besoin d'assistance, besoin de secours, souviens-toi toujours de moi. Bénis encore tout petit yo qui n'a jamais relâché et fait grâce pour qu'ensemble nous recevons instruction, pratiquer, pour qu'ensemble nous capables de sauver, nous faisons voyage nous pour l'éternité bienheureuse. Remplis-nous tous avec puissance cet espoir. Fais-nous du bien. Exaucez prière nous. Nous pas bon, nous pas dit, nous pas rien mérite, mais nous réclamons de toi, Seigneur, toute grâce à vous, dans nos petits doux Jésus sauve nous, qui a vivi, qui a prié avec vous, ensemble avec l'Esprit Saint, d'âge en âge, d'éternité en éternité, et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, combattants de partout et de toujours, eh bien, zaminouye, comme toujours dit nous, c'est pour nous qu'un béred, pas lagué, qu'Ebered pas molli, résister toujours jusqu'au bout. Demandons au Seigneur pour être capable d'aider nous, pour nous continuer à combattre le bon combat de la foi. Et m'a dit nous, enfin, bon courage en Jésus. Et si Papa bon Dieu prétend la vie, n'a pas rentré la prochaine fois. En attendant pour nous capables de rencontrer, m'a dit nous merci en pile, parce que nous sommes encore des nôtres. Et puis, m'a dit nous, au revoir et à la prochaine. Bye bye.